ça m'a semblé presque naturel de le faire. Le seul souci, c'est que je me suis rendu compte que le numérique, ce n'est pas que l'informatique. Voilà. Le numérique, c'est tout un tas de choses autour. Donc, mon intervention va se dérouler en trois parties. D'abord, la première partie sur la définition technique et l'historique un peu de la mise en place de la société numérique. Alors, au début, on avait parlé de révolution numérique, de société numérique, et finalement, Olivier a fini par l'invasion numérique, qui est quand même une vraie réalité aujourd'hui dans nos pays occidentaux. Donc, des définitions. Ensuite, quelques impacts sur la société aujourd'hui autour de cette invasion numérique. Et au final, deux questions importantes auxquelles il faudra qu'on réponde ou pas. Donc on va commencer d'abord par une définition, une introduction sur qu'est-ce que c'est que la société numérique. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est avant tout la fondation de la société numérique. Elle s'appuie sur des innovations techniques. C'est le point de départ de tout ça, c'est les innovations techniques. La plus importante d'entre elles étant juste la capacité à numériser un signal, d'accord, passer du monde de l'analogique au monde du numérique, c'est-à-dire être en capacité de transformer un signal, une image, un son, un texte, ensuite de 0 et de 1. Voilà. Le point de départ, c'est ça. Je te reviens dans l'historique, mais la notion du transistor qui est le premier composant qui permet de dire pour faire 0 ou 1, c'est le courant passe, le courant passe pas. Quoi. Voilà. Donc c'est aussi bête que ça. Donc la numérisation dans notre société, elle a commencé, on va dire, à être appliquée avec beaucoup d'ampleur dans les années 70, avec la téléphonie. Puis dans les années 80 avec le son, puis l'image. Pour nous, on va dire, utilisateurs finaux, la première véritable apparition numérique dans nos vies, c'est l'arrivée des CD, des CD dans les années 80. Puis ensuite. Les CD audio. Des CD audio. Ou les disquettes, les 5 points, je crois bien. Ouais, mais ça c'est presque après, hein. C'est les disquettes 5 points, les PC, le PC c'est... Tu crois 90? Oui. Non, c'est 80, non, le PC c'est 81, 82, ouais. Mais il y a vraiment eu d'un côté, alors ça c'est l'informatique, et puis d'un côté il y a le reste, quoi, les télécoms et l'audiovisuel, où en fait c'est là où ce que je vous disais en introduction, moi je suis informaticien de base, mais effectivement le numérique c'est pas que l'informatique, c'est ce qu'on dit après, c'est ce que je dis juste à ce moment-là d'ailleurs dans mon exposé, c'est que on avait trois mondes hein, qui étaient d'un côté les télécoms, de l'autre côté l'audiovisuel, de l'autre côté l'informatique, et tout ça avec le numérique converge. Donc on parle maintenant de convergence numérique. Les DVD, en plus de ces 90, pour moi le prototype même, ou du moins le point de départ de la convergence numérique aujourd'hui, c'est l'arrivée de l'iPhone en 2007. C'est le premier terminal, le premier équipement qui permet de faire converger du son, de la télécom, de la data facilement. Alors, cette convergence numérique là, qui permet d'avoir aujourd'hui maintenant des terminaux qui permettent de mélanger tout ça. Un autre point important sur la mise en place de cette société numérique à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est en parallèle, c'est l'arrivée des réseaux,
et du réseau des réseaux, à savoir l'Internet. Donc aujourd'hui, sur comment on en arrive à une société aussi imprégnée de numérique, c'est deux choses, c'est le numérique d'un côté et les réseaux de l'autre. Pour compléter ce propos-là, je trouve important de vous présenter un peu un historique des dates clés autour de tous ces phénomènes. D'accord. Donc les dates que j'ai mises, il y en a qui sont des dates assez standards, et d'autres qui sont plus personnelles. Voilà. Donc, point de départ, l'invention du transistor en 1947, d'accord, donc après-guerre. Avec très vite le circuit intégré, qui est le fait de dire je mets sur une petite puce à plusieurs transistors. Voilà. Dès les années 60, on commence à avoir de l'informatique qui apparaît dans des grosses entreprises, notamment pour gérer chez les banques, entre autres, hein, gérer les positions de compte, tout ça. C'est les premiers ordinateurs, là, ce qu'on appelait des mainframes, hein, c'est dans les années 60. Hein. Donc ils commencent à rentrer dans l'entreprise dès les années 60. Mais avec, moi j'ai pas connu ça, mais avec pas de possibilité de saisir l'information dedans. Hein, quand on faisait un programme, on avait des gens qui perforaient des cartes, voilà, en mettant des suites de 0 et de 1, un trou c'était un 1, et voilà. Donc on avait, voilà, et c'était des traitements informatiques qui se faisaient en batch, comme ça, pour faire la paye, pour et ainsi de suite. L'arrivée des écrans, c'est beaucoup plus tard. Il y avait quand même, voilà, donc on met des cartes dans le machin et on ressort des impressions. Moi j'ai pas connu ça, je suis arrivé bien après. C'était affreux ces cartes. Et on t'a tapé, ça arrive à deux. Et donc alors des trous, on en avait donné des tapes à quelques corps comme ça. Voilà, et on le retrouve encore. Voilà. Le premier. Les premiers distributeurs automatiques de billets, là, c'est dès les années en France, le premier DAB qu'on trouve, c'est en 68. En 69 commencent les premières expérimentations autour de l'ARPANET, qui était le premier réseau, je vais en reparler après, qui reliait trois universités aux États-Unis, voilà, qui est les prémices d'Internet. Donc c'est 69. C'est quand même. C'est pas ancien, mais c'est hier. Internet, il a commencé là en 60, dans les années 70. Voilà. On commencera à l'utiliser nous 20 ans après, 23 ans après. 1971, l'invention du microprocesseur, donc là c'est une évolution du circuit intégré. Voilà, c'est aujourd'hui le cœur de la plupart de nos ordinateurs, ou même de tous les équipements, que vous avez de droite de gauche, vos machines à laver, n'importe quoi, on va retrouver dans ces trucs-là aujourd'hui maintenant un microprocesseur avec du code pour faire fonctionner tous ces engins-là. Le GPS, le début du projet GPS, les premiers lancements de satellites, c'est 78. C'était militaire. Alors GPS, c'est un projet militaire au départ, et c'est Reagan qui décide, je ne sais plus pour quelle raison, il décide de l'ouvrir au civil finalement. Mais c'est finalement un projet militaire, et surtout dans les débuts du GPS, on avait plusieurs degrés de fiabilité dans les applications militaires, ils ont une précision au mètre, et dans les applications civiles, on est à 50 mètres, je pense. En 83, il y a la séparation de. Donc, l'ARPANET, c'était un réseau qui était financé par les militaires, mais qui était à l'usage à la fois des militaires, mais aussi des universitaires. Et en 83, chacun commence à mener sa vie. Désolé pour l'inversion des dates. De l'arrivée des premiers PC, donc c'est 1981. 1984, Apple qui lance le Macintosh. Alors l'arrivée des PC ou des Macintosh, pour les gens qui ont connu les gros systèmes, c'est le début de la fin de,
informaticien omnipotent et omniscient dans l'entreprise. Voilà. Et les utilisateurs qui commencent à devenir pénibles. Voilà. Parce qu'ils ont dans la main, ils ont sur leur outil chez eux et qu'ils veulent avoir la même chose au boulot. C'est le début de Radiocom 2000, les premiers téléphones portables. Enfin, portatifs, hein, parce que là c'était des... Là c'est énorme, il faut faire un truc. Mais c'était il y a 86, il n'y a pas si longtemps que ça. Le Bebop, il est quand? Le Bebop, il arrive en... J'ai pas mis, il arrive en 80... Il arrive un an ou deux avant Itinéris, là. Il arrive en 90. Donc le Bebop, là c'est pour les... Non, vous savez pour ce que c'est, ça. Le Bebop, c'était les premiers, c'était des premiers téléphones portables où j'avais mon téléphone portable, il fallait que je me mette à côté d'une bande pour pouvoir téléphoner. Voilà. Donc, ça, c'était, voilà, donc c'est assez marrant parce qu'il y avait des bandes un peu, dans les grandes villes, et avec des autocollants pour bien les voir, et il y a encore, on voit quelquefois encore des autocollants. Ils n'ont pas été remarqués. Non, mais c'était des petites, des ronds sur des gouttières, je sais pas quoi. Il ne fallait pas boucher, il fallait d'abord. C'était révolutionnaire. De France Télécom, je l'ai retrouvé dans un. C'était révolutionnaire à l'époque. Ouais, si vous voulez retrouver ça, il y a des cas qui vous permettent de retrouver. J'avais un truc que vous ne parlez pas du Minitel qui en France a été quand même super important. Une révolution, mais qui nous a retardé en fait. Oui. Alors qu'on était au contraire avant, quoi. C'est vrai que le Minitel, effectivement, il est. Je sais pas, Minitel. Les 80, à peu près. Oui, les années 80. Les années 80 aussi, c'est l'arrivée du Minitel en France, effectivement. Donc, fourniture d'équipements qui permettent de faire De transmettre de l'information et de recevoir un débit faramineux de. Bon, je sais pas, c'était 1200 baux. Ouais. Un baud étant un. C'est vrai que c'est un bit par seconde. Donc en informatique, un bit, si ça vous agace ou pas, mais je peux préciser ces termes-là. Un bit, c'est quoi? C'est 0 ou 1. Un octet, c'est 8 bits, d'accord? Et attention, parce qu'un octet en anglais, ça se dit un byte. Voilà. Donc dans tous les trucs que vous voyez, là où on parle de mégabits par seconde, il faut bien faire attention si c'est un. Ah non! Dès qu'on est dans le monde des télécoms, c'est un B, donc c'est un bit. Voilà, dans le monde des réseaux, c'est un B majuscule pour octet, donc ça va 8 fois moins vite. Quand vos fournisseurs d'accès à Internet, ils vous parlent de 20 mégas par seconde, c'est des 20 mégabits, hein, c'est pas des 20 mégas octets. Voilà. Et l'octet, le 8 bits, là, il a été mis en place parce qu'avec un octet 8 bits, on code 256 caractères différents, voilà, et donc avec ça on est capable de coder un alphabet, tous les termes qui, et tous les symboles qui vont avec. Typiquement, mais on rentre sur des alphabets chinois ou autres, on n'est plus sur un codage sur un octet, mais au moins sur deux octets, voilà, ou certaines langues aussi. Et pourquoi Minitel a retardé en fait? Alors le Minitel, donc, la France en avance sur ce sujet-là avec le Minitel, et donc comme il y a le Minitel, et l'Internet, on ne fait pas de forcing sur le déploiement de câbles pour pouvoir permettre ces accès-là. Donc on était effectivement en avance sur tout le monde avec le Minitel, et ils ont continué à faire. Quand je suis arrivé au Bordeaux en 1999, ils éteignaient leur dernier serveur télématique. Ça a quand même duré un paquet d'années. Hein. Ils avaient rendu beaucoup de services. Oui. Moi, je suis à grand nom, mais dans les campagnes, tous les paysans, ils avaient le Minitel. Oui. Parce qu'ils déclaraient, ils s'achetaient à la coopérative, ils avaient plein d'infos. Ils ont eu du mal à passer à l'ordi. Après, comme quoi, cette époque-là, ils étaient très en avance. Exactement. Et après, ils ont mis du temps à passer à l'ordi. Exactement, voilà, c'est ça. On était en fait beaucoup autour avant France, par rapport à l'autre. C'est dommage. Mais ça, c'est toujours le. Le Minitel et tous ces outils-là, ils avaient un avantage ou un inconvénient aujourd'hui, c'est que c'était des outils qui n'étaient pas graphiques. C'est-à-dire que c'était simple d'utilisation, on naviguait sur un Minitel, on parlait d'une ligne à l'autre, c'était tabulation, voilà, comme sur nos vieux
vieux écran d'applications qui tournent encore dans certaines administrations comme la mienne, voilà, où on a encore des interfaces graphiques, des interfaces d'utilisation où on n'a pas la souris ne sert à rien. D'accord, donc c'est plus facile, hein, pour aller dans telle application, pas d'un chemin à l'autre, voilà, on se perd moins et on conseille tout correctement. La partie dans la partie. Dans le monde du PC, Windows 3.1, qui est la première version pour le déployer massivement dans les entreprises, c'est 1992. Donc c'est il y a 20 ans. J'ai fait toutes mes études, mais c'est pas Windows. Quoi. J'ai fini en 94, oui, on voyait apparaître les premiers. Bon, moi, avant 92, on avait déjà Excel. Excel et Word. 1992 Itineris, un des premiers, réseaux mobiles en 2G. En 2G, oui. Voilà, avec, c'est 1992. Itineris, c'est France Télécom. Oui, Itineris, c'est France Télécom, oui, c'est le premier. Après, c'est vrai qu'au lancement, il y avait quand même déjà Itineris et il y avait Bouygues aussi. Je crois qu'ils étaient les trois. Je ne sais plus s'il y avait les trois. Il y avait Itineris, XFR et. SFR, c'était après, je pense, 96, comme ça. Ah oui, oui. J'ai le premier, hein, voilà, si vous voulez compléter avec l'autre date, on pourra aller compléter. Bien, et, voilà. Et le une date très importante, c'est 93, avec l'arrivée, l'apparition du protocole du WWW. Donc en fait, tout ce qui est langage HTML, voilà, c'est le CERN qui définit, qui a défini ce métalangage, là, le langage hypertexte, là, qui permet de, sur Internet, de naviguer d'une page à une autre, voilà, où on a un protocole où toute la navigation sur Internet est basée sur des, on va dire des URL, là, hein, quand vous tapez sur votre truc www.google.fr, ou, voilà, tout ça c'est une URL, et derrière le langage hypertexte des pages Internet qu'on consulte, tout ça c'est fourni, mis à disposition de la communauté en 93. Avant 93, pas de www. Hein. Et les premiers navigateurs internet graphiques, c'est 94. Je ne l'ai pas fait apparaître là. Non. Donc avant 94, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, ça n'existe pas. Quoi. Et donc ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que ça a commencé cette. Cet internet vers le grand public. Bon, ça a commencé, ça a balbutié, parce que là aussi c'est pareil, pour ceux qui ont connu cette époque-là, les accès à internet c'était quand même un peu pénible, parce qu'on était encore là aussi avec des liaisons, on était passé à du 56 kilobits par seconde à cette époque-là. Mais surtout, c'est quand on était sur internet, on ne pouvait pas téléphoner. Ça bloquait la ligne téléphonique. Soit on était sur Internet, et en plus c'était. Alors ça a influencé, je reparlerai un peu après, mais ça a influencé aussi sur nous, on a été orienté comme ça, c'est-à-dire qu'on ne pouvait faire qu'une seule chose à la fois. Mm-hmm. Voilà, dans nos études, tout ça, on lisait des bouquins, c'était. On commençait à la page 1, on allait jusqu'à la page 150. Voilà. Aujourd'hui, avec ce langage hypertexte et tout ça, on n'est plus tout là-dedans. C'est, je commence à un coup de texte là, j'ai un petit lien intéressant, je parle, voilà, et donc on butine et on en reviendra après sur ce sujet-là. 95, c'est la privatisation complète d'Internet. Internet, c'est que du privé. Donc, c'est des fondations. C'est des fondations d'utilité publique ou du moins des fois. Mais il n'y a pas de. C'est plus porté aujourd'hui par un État ou par le ministère de la Défense ou voilà. C'est un truc, c'est complètement. C'est une vaste forme de connexion payée par tous les opérateurs, tout ça, mais il y a.
La gouvernance sur Internet, c'est un problème à part entière. L'ouverture du GPS pour les applications civiles, c'est 95. Vous avez vu entre le premier lancement du satellite et le 78 et le 17 ans. Le projet Galileo, là, qui est concurrent du GPS américain par l'Europe, là, c'est, je pense, c'est un projet qui a démarré en 90 et voilà, on a lancé les premiers. On a essayé de lancer les premiers satellites l'année dernière, là, puis ils sont pas arrivés. Les Russes, hein. Ils sont pas arrivés dans les orbites, là, c'est pas. Les premiers satellites Galileo, là, qui. Voilà, ils sont pas montés assez haut. Il y a eu un incident sur la. Là, on a fait confiance aux Russes. C'est peut-être ça le. C'est moins chaud. Donc voilà, les deux premiers satellites, pas sur la bonne orbite, donc ils ont une durée de vie limitée, forcément. Puisque si on veut les mettre sur la bonne orbite, il faut les. Voilà. Et il y a un autre. Les Russes ont leur propre. Comment ça s'appelle ont leur propre outil de géolocalisation. Hein. Les Chinois ouais. aussi. Hein. Et les Chinois aussi, oui. Ouais. Et il est où, c'est dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je crois que c'est plus que ça. Non, je ne sais pas. Parce qu'il faut vraiment avoir un. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. On n'est pas donc encore prêt alors qu'on aurait dû être prêt depuis X semaines, années, quoi, chaque fois. Ouais, c'est des projets européens, donc c'est tout compliqué. Et ils en sont à 20, je crois, ça. Parce que là, la Galaxy, j'ai plus de moins de. Je ne sais pas, mais il faut se traiter. Il me semble que le GPS, c'est moins de 20 vingtaine. Il en faut alors un minimum de 7, en tout cas. Pour. À la fois, ouais. Non. 7 ah ben, bon. Pourquoi voilà. pas 7 et 7 et donc 4 qui doivent être dans un même cadran et tout, oui, c'est voilà, ça. Ouais, c'est... Voilà. Mais bon, en tout cas, le GPS, c'est depuis 95, 20 ans. Ouais. Internet Explorer, le navigateur fourni dans Windows, c'est 96. Je l'ai mis en dessous là, juste. La fermeture du palais Rhônien, donc à Bourse. Avec les gars là qui achètent et qui vendent à la volée, là, la corbeille, la fermeture de la corbeille, donc 98. Donc, c'est depuis 98 que tout ce qui est bourse, tout ça, c'est purement informatisé et il n'y a plus personne, il n'y a plus d'opérateur de bourse. Enfin, moi j'ai fait un stage au palais Rhônien. Je dirais dans les années 90. Oui, c'était pas grand-chose. Et j'ai été ultra étonné de ce stage, qu'il ne soit pas informatisé. Parce que bon, pendant mes études, je faisais déjà de l'informatique. Et ils n'étaient pas informatisés. Et les cotations, c'était. Il y avait des petites feuilles, et, ouais. et on s'échangeait les feuilles entre sociétés de bourse. On faisait une cotation avec tout le paquet qu'on avait, on faisait une moyenne, hop, on voyait ce qui pouvait être vendu, ce qui ne pouvait pas être vendu, et puis on refilait comme ça, avec des petites fiches, et il n'y avait rien à informatiser. C'était même incroyable. Alors peut-être qu'en 98 ça l'était, mais dans les années 90, rien du tout, alors que. C'était déjà là. Alors, quand j'ai regardé, parce que je sais plus parce que j'ai vu cette tâche. Les premiers ordinateurs, c'est 86 ou 80. Ah, oui, ouais. Les premiers ordinateurs au Palais Rhônien, c'est 86, je crois. Mais quand on voit ça, effectivement, on se dit que dans les années 90, on était encore à échanger des petits papiers pour dire j'achète, je vends. Donc aujourd'hui, on en est à de l'ingénierie financière où c'est les robots qui. Les robots, c'est le plus rapide. C'est le plus rapide qui gagne avec ce qui s'appelle le trading haute fréquence. Ouais. D'accord. Où en gros, les types ont mis en place des algorithmes qui détectent un mouvement à la hausse sur une action et donc qui, comme ils le détectent et l'identifient, ils achètent et revendent dans la milliseconde ou voilà, dans le quart de seconde. Et avec ça, ils font du profit. Voilà. Ça fait partie des trucs qui, normalement, ça devait soi-disant être réglementé, le trading à haute fréquence. Hein, parce que là, c'est purement de la capacité de calcul et le fait d'être un peu plus rapide que le voilà. Voilà. C'est dans le même temps, en fait. C'est plus l'homme qui fait. Non, sur les. De toute façon, typiquement, le souci qu'ils ont sur les craques aussi,
L'emballement du système. L'emballement du système, où tu as tout un tas d'ordres de à la vente ou à l'achat qui sont préprogrammés sur les seuls, et quand ça part en. Ben là, ça va donc hyper vite, quoi, du coup. Ça va hyper vite, voilà. C'est exactement. Ça fait partie des, effectivement des sujets sur cette société de la vie numérique avec tout qui va plus vite, jusqu'où on va dans le. Là, je n'évoquerai pas le sujet, mais effectivement, la part de l'économie réelle par rapport à l'économie virtuelle ou tout ce qui est ingénierie financière, c'est hallucinant. C'est-à-dire que il me semble que c'est quoi, ça doit être 98% des ordres. De traite de bourse qui sont purement de la spéculation, des mouvements d'aller-retour sur le marché. Quoi. Il n'y a que, en gros, il me semble que j'ai lu ça, il n'y a que 2% des transactions qui sont réellement des. Voilà, tout le reste c'est du bout électronique qui permet à les gens de. Tout le plus brillant, comme disaient les Français, sont les meilleurs, mais effectivement, tout le plus brillant. Polytechniciens, ils sont aujourd'hui occupés à prendre des algorithmes pour arriver à faire du profit financier sans. Expliquer entre autres que. Je ne sais plus qui expliquait ça, l'affaire Kerviel avec. Voilà, on se retrouve en face de banquiers là, à l'ancienne, qui ont en face d'eux des petits jeunes qui sont pas calmés pareil et. Ça donne 3 milliards de pertes. Oui. Donc c'est 2% des transactions qui sont voulues en fait. Mais qui sont des investissements. Oui, générés. Des investissements de voilà. Et non, on n'aurait rien à voir avec la vraie bourse en fait. Oui. C'est l'origine de la bourse, c'était quoi? C'était j'ai besoin de capitaux pour pouvoir lancer une activité, donc voilà. Je vais faire appel à la population en disant voilà, j'ai une bonne idée, j'ai besoin de sous pour. Voilà, et puis si ça marche bien, vous aurez des dividendes. Voilà. Et on n'en est plus là. Ça existe quand même. Quand on fait une augmentation capitale. Oui, d'accord, mais non. Oui, mais c'est 2%. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Je vous retrouve le chiffre, mais c'est stupéfiant. On revient à une petite date. 1999, l'arrivée de l'ADSL. Donc l'ADSL, c'est ça y est, on peut enfin et téléphoner et faire et les deux ensemble. Parce que en gros, l'ADSL, c'est utiliser les fréquences basses ou au-dessus, je ne sais plus, pour faire passer le signal avec, rappelez-vous, les prix hyper élevés de l'ADSL. Et on commence à avoir des débits. Le début de l'ADSL, c'est 512 kilobits par seconde. Donc, kilobits par seconde. Alors le ADSL c'est asynchrone, c'est asynchronous. Oui, il y a des montants, des sons. C'est 512 en réception et 128 en émission. Sinon après, on va parler, si on veut avoir du débit symétrique, c'est du XDSL ou des choses. On ne va pas non plus trop se noyer dans le. En 2000, voilà, 2000, on commence à pouvoir déclarer ses impôts. C'est revenu. Hein. Avec 4500 foyers en 2000 qui déclarent leur impôt sur Internet. 2004, le début de la 3G. Avec la 3G, alors les opérateurs. La 3G, c'est pouvoir savoir un débit sur un téléphone à 2 mégas ou 2 mégabits par seconde. Voilà. Les opérateurs, tout contents, déploient ça. Pas d'usage. Les types, ils ont déployé ça, et puis ils se sont retrouvés comme des. Jusqu'à l'iPhone. Et j'ai quelqu'un dans mon entourage qui bosse sur un opérateur télécom, et il dit vraiment qu'il y a un avant et un après, l'iPhone. Quoi. C'est-à-dire qu'avec l'iPhone, il y a enfin eu, on a enfin trouvé un usage à la data en mobile. Quoi. Avant ça, voilà. Avant ça, si, il y a eu le BlackBerry qui était arrivé quelques années avant. Le BlackBerry, c'est 2005. Ouais. Voilà, donc le BlackBerry, c'est, le,
c'est le début de pouvoir avoir sur son petit téléphone ses mails, voilà. Mais avec une technologie propriétaire, et d'un coup, aujourd'hui, c'est fini. Ça fait toujours mal de dire aussi que pareil, l'autre date après, c'est toujours Apple qui a récupéré ça avec l'iPad, hein, le fait d'avoir ces petites tablettes là où, voilà. Alors ces tablettes là, c'est très, très pratique et très agréable pour consommer du contenu. Voilà. Dès qu'il s'agit d'aller en saisir, voilà. Mais ces outils-là, l'iPhone, ont permis de faire entrer le numérique et l'informatique dans des lieux où vous n'avez pas leur place, parce que jusqu'à maintenant, les PC, les machins, c'était réservé. Et ça reste encore réservé à des gens qui ont un minimum de technicité, quoi. Voilà, l'iPhone, l'iPad, n'importe quel nos grands-mères ou nos mères ou nos parents sont en capacité d'utiliser. Voilà, un PC, il y a vraiment eu, de mon point de vue, un avant-après. Voilà. 2013 début de la 4G, alors la 4G c'est encore plus de débit. Alors tous ces débits, hein, aujourd'hui, ils ne sont utiles qu'à une seule fin, c'est pour consommer de la vidéo. Aujourd'hui, ce qui coûte cher en termes de bande passante, c'est les vidéos. Tout ce qui est texte et tout ça, ça va bien, c'est vraiment ça. C'est la vidéo de pouvoir accéder en streaming à n'importe quelle information, tous ces termes-là. En 2013, ouais, aussi, déjà on a un tiers de la population française qui déclare son impôt Pas mal déjà. Mais il arrive plus. D'après, c'est 2014, dépôt de bilan de l'Universalis, hein, donc l'Internet et des solutions comme Wikipédia. On est dans une logique de construction de la connaissance en mode participatif, d'accord. Chaque Wikipédia, c'est vous, moi, n'importe qui peut contribuer sur cette encyclopédie universelle là, et saisir l'information et qui est validée ou contrôlée par des tiers. Voilà. Et Wikipédia a tué l'universalisme. Sachant que j'avais lu il y a quelques années des comparatifs où ils disaient qu'il n'y avait pas tellement le taux d'erreur. Le taux d'erreur sur les articles scientifiques entre Wikipédia et Universalis était à peu près identique. C'est-à-dire que. Après, là où ça a plus à controverse, c'est sur tout ce qui est information sur les biographies de personnes vivantes et tout ça, où là, Wikipédia, c'est un peu la. C'est un peu compliqué. Mais tout ce qui est, on va dire, fond, un article de fond avec de la connaissance et tout ça. Point de vue historique, Alors, point de vue historique, c'est même pas mal. Point de vue historique sur l'histoire, c'est toujours un peu compliqué entre ceux qui font commencer la France qu'après la Révolution et ceux qui disent que la France elle existe depuis un peu plus longtemps que ça. Voilà, donc c'est un lieu de Wikipédia. Pour moi, c'est un lieu de combat comme un autre sur ce sujet-là. C'est-à-dire que si on laisse effectivement écrire que la France elle commence en 1989, à nous d'aller sur Wikipédia et essayer de. C'est pas vrai, pas forcément que on a existé un peu avant. Il y a eu Clovis, tout ça. Et la dernière date que j'ai mis, c'est pour moi, c'est une petite. Notre président qui annonce un grand plan numérique à l'école, avec dès la rentrée prochaine, tous nos collégiens ont une belle tablette qui leur permettra de rentrer à fond dans le. C'est un plan, on en parle depuis X temps, je veux dire, c'est pas le premier plan qu'il lance. Oui, non, mais c'est le NDF. Mais bon, voilà. Mais ce qui va en arriver, on ne sait pas. Oui, surtout qu'il y a moins de financement, parce que je rappelle que pour l'éducation, il y a l'éducation nationale qui paye les profs et tout ça, mais après, tout ce qui est équipement et compagnie, c'est au sort des collectivités locales. Oui, donc quand le problème en fait. Les normes sont plus avancées que la Gironde. Ah oui, grâce à M. Emmanuel qui était un charbon. Exact. Il y a moins d'habitants. Oui. Ah oui, mais je sais que travailler. C'est la part
Très bien avec toi. Effectivement, les Landes sont en avance, mais c'est compliqué justement pour arriver à coordonner ça. La décentralisation, on ne va pas en parler maintenant, mais entre justement une politique d'État et puis des études, voilà, pour arriver à coordonner ça, c'est, ça occupe du monde et un peu de place du temps. La tablette, le seul avantage que j'y vois, moi, voilà. Surtout, c'est de se dire effectivement, avec une tablette, on peut l'utiliser comme une liseuse et donc. C'est pour le point léger. Alléger le. CDI. Pour ceux qui. Voilà, ceux qui. Arrivent en 6e, c'est les parents d'élèves qui, voilà, qui vont aller en disant mon fils, il a un cartable de 8 kg, tous les deux ont apporté 8 kg, mais comment on les a fait en fait. Oui. Et qu'on faisait nous. Non, mais c'est. Il a plus de sac à dos. Oui. Sac à dos. Il a plus que ça. Voilà, moi, comme des vieux, enfin, moi qui suis un vieux, je me dis, oh là là, mais tout lire comme ça sur le numérique, je vais me fatiguer les yeux, je vais devenir aveugle par rapport à le fait de lire des bouquins. Non, c'est parce que typiquement, tu. Bah, surtout, là-dessus, si tu as utilisé des liseuses qui ne sont pas des. Ou c'est des technologies avec un écran avec de l'encre passive, là. Tu as vraiment une qualité de lecture, tu n'as pas la fatigue que tu as dès que tu es sur les tablettes ou des choses comme ça. Donc, liseuses. Oui, les liseuses numériques, ça s'appelle. Hein, c'est le Kindle ou la Flax et le Kobo. Voilà, mais c'est. Voilà. Ces liseuses-là, elles ont un avant. Voilà, tu peux avoir ta bibliothèque avec toi. Et, par rapport à les standards, la différence, c'est quoi? C'est. Tu sais où tu en es dans ta lecture. Voilà. Tu sais que tu es à 80% de ton roman. Est-ce que c'est un bien ça, on ne sait pas. Je ne sais pas. Moi je sais que. Moi je sais que. En bon en bon bouquin. En bon geek que je suis là. Le geek c'est le. Là, j'ai forcément acheté des œufs pour un de mes enfants là, qui n'a jamais utilisé. On n'a pas trouvé l'usage. C'est surtout avec un autre point important qui est de dire aujourd'hui les liseuses elles auraient un intérêt si on faisait si on pouvait acquérir des bouquins pour moins cher. Or, aujourd'hui, le prix d'un livre en version numérique ou en version papier, c'est le même. Donc, elle valait 150 euros le 24 décembre, et le 26-27, on en trouvait à 71 cents. Ouais. Donc, moitié prix, les gens les revendaient. Un de mes petits-enfants a fait ça, et c'est extraordinaire. Quoi. Mais alors, ça c'est. Moitié prix, les gens les achètent, puis. Ouais. Oui, il faut faire ça. Voilà, donc on les. Mais sur le. Je vais penser à un autre point qui est de dire le numérique et toutes ces technologies-là, il y a une loi dans le numérique qui s'appelle la loi de Moore qui le dit tous les deux ans, on double la capacité de traitement pour le même prix. Ouais, donc nos ordinateurs, nos processeurs, là, la courbe de performance, et a priori cette loi qui est une loi empirique. Exponentielle. Oui, et elle n'a pas été pour l'instant, mais toujours dedans. Voilà. J'avance un peu parce que là. Donc sur notre évolution numérique, on a dit deux points importants, l'Internet. D'accord. Et l'Internet, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un projet subventionné au départ par la défense américaine avec un objectif qui était de mettre en place un réseau qui puisse continuer à fonctionner même en cas d'attaque nucléaire. Deux points de vue. Voilà. Donc, le principe de ce réseau-là, c'est de dire quand j'émets un message vers un destinataire, et bien à chaque fois qu'il passe par un équipement, il va choisir une route ou une autre. Donc si jamais je coupe un lien, il va passer par un côté. Donc c'est un réseau de travailler où l'objectif c'est de dire quand je dis j'envoie un truc à l'autre bout du monde, ça va passer par un total équipement qui vont la répercuter. Donc je peux très bien avoir un paquet qui passe par Washington et l'autre qui passe par par un autre ville. Au final, ces paquets ils arrivent, voilà, c'est la commutation, ça arrive sur le poste de l'utilisateur final qui lui reconstitue les messages en bon sens et voilà, il peut les coder. C'est ça Internet. Voilà. Donc ARPANET, donc en 69. Donc deux universités californiennes et l'université de l'État avec des liaisons à 56 kilobits. ARPANET a été chargé en 95, donc c'est quand même un réseau qui a tenu pendant peu de calcul. Voilà. Et aujourd'hui sur le. Et donc
il y a autour d'Artenet tout un tas de réseaux qui sont constitués. Et et chacun est progressivement, tout le monde a convergé vers une technologie commune qui est le protocole TCP/IP. Vous voyez ça partout. Hein. Et l'Internet, il est basé sur le fait d'avoir tous les équipements qu'on met sur Internet, ils ont chacun une adresse IP différente, et à partir de là, on peut faire communiquer tout le monde. Aujourd'hui, l'Internet, il est géré par un organisme qui s'appelle ICANN, c'est Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Donc c'est lui qui va gérer tous les noms de domaine. Ouais. Je ne sais pas si vous vous rappelez les .fr, les .com, les .machin, là, tout ça. Donc il y a un organisme qui gère ça, voilà, qui est en Californie. Une grande bagarre pour savoir qui c'est qu'elle va remettre, vin ou wine ou... Oui. Ben... Tous les domaines, quoi. Et ça a été privatisé tout à fait récemment, ça. C'était ça appartenait à l'État américain. Je crois que c'est ce que j'ai lu. Alors, sachant qu'aujourd'hui, si vous êtes approché de l'Internet, vous savez qu'Internet aujourd'hui, c'est des adresses qui sont en format IPv4. Voilà, et donc on est limité aujourd'hui, c'est 255.255.255.255. Et donc on arrive à la limite du système avec tous les équipements connectés. Et donc il va falloir passer progressivement à IPv6, où là on pourra connecter des milliards et des milliards d'équipements. Parce qu'on en est à ce niveau-là. Hein. L'Internet aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est 90% du contenu de ce qui est mis sur Internet, là, c'est du contenu gratuit. C'est-à-dire qu'en gros, c'est monsieur tout le monde, madame tout le monde qui a alimenté un blog, qui a des salles. Voilà. Et donc en gros, c'est étonnant. Donc c'est encore un espace dans lequel les gens poussent de l'information. Et aujourd'hui, on a un tiers de la population mondiale qui est connectée. C'est étonnant. Ça me surprend. Un tiers. Il n'y a pas de milliards d'orbites. En Chine et en Inde, ils ne sont pas connectés. Non. Il y a 20% de la population qui est connectée. Il y a un tiers. Un tiers à l'échelle mondiale. Un tiers à l'échelle mondiale, donc c'est juste. C'est possible, parce qu'on est à 80%. L'Europe, l'Amérique du Nord, voilà, tout le reste après. Et aussi l'Europe, le Japon, l'Amérique du Nord, et le Japon, la Corée du Sud. Oui. Et après, on a fait le tour. Donc c'est ce que je dis un peu plus tard, c'est effectivement cette société numérique. Elle ne concerne pas tout le monde pour l'instant. Hein. Non. Elle ne concerne que quelques. Un tiers. Parfois. Un tiers de la population. Et surtout, un autre point qu'il faut évoquer sur Internet, je verrai ça tout à l'heure, Internet c'est 30% du trafic vidéo, c'est du porno. T'as vu ça ? Ouais. Alors les chiffres, moi, c'était un chiffre qui est sorti à un moment. En 2012, c'est vrai qu'on. Et on estime en 2010 que 12% des sites, c'était des sites de. Des sites pour le. C'est énorme. Non, mais oui, du coup, c'est énorme. On parlait du Minitel, hein, les types qui ont fait fortune dans le Minitel. Ah, Elle te croise, là. On appelait ça le Minitel Rose, c'est ça. Le formateur de fil, comment il s'appelle, Yann. C'était une grosse critique d'Orange pour attaquer Nief, et Orange fournissait les accès à Nief. Ils ont gagné de l'argent aussi. Mais oui. Alors, un des principes fondamentaux d'Internet, c'est quand même la neutralité. Donc, normalement, l'idée, c'est bien de fournir une infrastructure sur laquelle n'importe qui peut dire et faire n'importe quoi. Mais.
On avait très tenu de ce système-là, notamment quand le principe de neutralité, ben, on a, on veut faire de la lutte contre la pédophilie, tout ça, on veut lutter contre le terrorisme. Voilà, les États-Unis ont fait un truc qui s'appelle le Patriot Act là, en 2001, voilà, où, qui leur permet d'aller lire ou consulter n'importe quoi, parce qu'il y a le début d'un soupçon de volonté terroriste. En France, la lutte contre le piratage aussi, hein, avec la loi Adopi. Dans les pays un peu plus, un peu moins ouverts que nous, la lutte contre les dissidents. Alors en Chine, la Chine, je ne sais pas si vous avez vu, là, ils viennent de finir d'arriver à bloquer complètement les accès à Google. Voilà, parce qu'ils avaient bloqué Google sur les fixes, là, et ils ont fait. C'est aussi bloqué sur les accès mobiles. Donc pour des sites, pour certains sites, oui, voilà, c'est ça. Bah, en gros, bah, l'Internet, de toute façon, à un moment ou à un autre, il faut passer par les équipements réseau qui vont router tes. Voilà, bah, si t'es, ouais, c'est sur ces équipements-là, tu peux mettre en place des règles de filtrage qui vont faire que ça ne sort pas, quoi. Hein, et après, j'ai pas un schéma en tête, mais les interconnexions entre États, il n'y en a pas tant que ça, quoi, donc ça va assez vite. Ça va assez vite de mettre en place des règles de filtrage sur ces équipements clés pour voilà. Et les Français étaient très forts là-dessus, on était en avance, là. On avait fourni à la Syrie, ou à la Libye, la Libye, voilà, on était leader mondial sur le sujet, là. On avait fourni tout ce qu'il fallait pour filtrer. Voilà. Donc pour la pornographie, on pourrait très bien filtrer en fait. Tout à fait. Techniquement, c'est tout à fait possible. Alors c'est qu'il faut que tu sois hyper réactif sur les nouveaux sites qui créent tout ça. Donc c'est la course à la. C'est la. On s'en reparlera un peu plus tard, effectivement, dans le contrôle parental, effectivement, tu peux te dire, la solution, c'est de. Toi, quand tu installes pour tes enfants un logiciel de contrôle parental qui va. Les logiciels de contrôle parental, ils vont travailler sur deux modes, soit on va dire des listes blanches. Alors, c'est une liste de sites autorisés, donc il peut aller à tel ou tel endroit, mais très vite, ça va bien pour les petits, mais les ados, tu vas passer ton temps à devoir leur ouvrir des accès à des nouveaux sites qui ne sont pas. Oui, c'est pas possible. Whitelistés, voilà. Donc, l'autre mode de filtrage, c'est des listes noires, donc tu es interdit d'accéder à certains sites, mais là. Ils s'en créent en grève. Ils s'en créent en grève. Ils sont en retard. Alors, normalement, quand tu mets à disposition un site sur Internet, tu dois, dans les informations sur ce site, quelque part, indiquer quel est le type de contenu qu'il y a là-dedans. Donc, normalement, tes logiciels de contrôle parental, ils sont capables d'aller lire cette information-là et après, de filtrer dès qu'il y a de la nudité, machin. Voilà, mais ce n'est pas le cas. Voilà. La réalité augmentée est aussi très en avance aussi sur le filtrage hein, pour filtrer sur tout ce qui est justement du contenu qui pourrait choquer le Pékin moyen. Voilà, sur Internet, en gros, ce que vous voulez dire. Alors, sur la convergence numérique, l'autre point dont je parlais au début. Donc avant l'iPhone, nos opérateurs ils étaient contents, mais il n'y avait pas beaucoup de monde qui consommait. L'iPhone n'évite pas donc permis de démocratiser ces contenus-là. Ces smartphones qu'on a tous là ont permis de continuer d'aller dans la dématérialisation, hein, notamment des types de transport, je ne sais pas si vous imprimez encore vos billets de train, mais moi je n'imprime plus. Des applications qui facilitent la vie quotidienne, des agendas partagés. Donc ces nouveaux usages, là, de ce que j'avais noté, entraînent quand même un certain nombre de désagréments, hein, comme le manque de savoir-vivre des uns des autres, qui font plus attention maintenant à leur téléphone qu'à leur. Voisin. Voilà, que leur interlocuteur réel, voilà, qu'on voit, voilà, vous avez tous vu ça. Et surtout, un autre point important qui est le manque de recul de certains utilisateurs dans le contenu qu'ils publient sur la toile. Oubliant que ce qui rentre sur la toile, on ne le sort quasiment jamais.
Et surtout, un peu important, c'est le numérique par rapport à l'analogique, hein, ça ne se dégrade pas. Hein. Un signal numérique, une fois qu'il est numérisé, il est les 0 et 1, on a bon une fois, 10 fois, ça ne se dégrade pas. Rappelez-vous quand vous avez des cassettes audio, là, on disait une fois ça allait, deux fois voilà, ou magnétoscope, tout ce qui était ou vos disques micro-sillons, à l'utilisation, ça dégrade. Le numérique, ça ne dégrade pas. Sauf qu'un disque dur, ça peut tomber. Oui, un disque dur, ça peut tomber. Enfin, pas de réseau, en fait. Oui, mais ça, un disque dur, aujourd'hui, dupliquer l'information que tu as sur un disque dur, c'est un coup, c'est négligeable. Comme autrefois, c'est. Voilà. Donc, donc, effectivement, cette arrivée du numérique et le fait. En face aussi, on a des capacités de stockage qui sont complètement délirantes, fait que. Voilà, tout ce que. Il faut bien être conscient de ça, tout ce qu'on. Tout ce qu'on rentre sur la toile, qui reste. Bon, ça, je vais le dire un peu plus tard, mais effectivement, en France, on a mis en place une loi, il y a la loi sur l'oubli numérique. Maintenant, on peut aller demander à retirer les informations ou à les corriger. Il y a le droit à l'oubli ou le droit à la correction. Le droit à l'oubli, a priori, Google répond on ne sait pas faire. Hein. C'est pas fait parce que l'information elle rentre là. Alors tous ces moteurs de recherche, là, ils la stockent en cache, ils la copient de droite, de gauche. Voilà, donc, De toute façon, Google, c'est qu'un moteur de recherche. C'est un moteur de recherche, mais c'est aussi. Non, Google, c'est tout un tas d'applications autour. Oui. Et voilà, c'est tout un tas. C'est surtout de la fourniture d'analyse de trafic, de positionner la bonne pub au bon endroit, c'est tout ça. Hein. C'est voilà, comme ça qu'il y a de l'argent. Oui. Oui. Et surtout, la duplication de l'information est complètement anarchique. Oui. Une fois que vous avez écrit quelque chose sur un mail, il peut se trouver dans un endroit, dans 10 endroits, dans 1000 endroits, vous ne le savez absolument pas, suivant les systèmes de sauvegarde, les systèmes de duplication qui facilitent l'accès à l'information. Donc une fois qu'on veut retirer une information, on ne sait pas où elle est. Et là, typiquement, dans le cadre des administrations, là, nous, il y a quand même une directive française qui est imposée aux administrations, c'est de dire si vous faites héberger une donnée chez un hébergeur autre, il faut exiger que ces données soient hébergées sur le sol français. Voilà. Si. Oui, et donc maintenant, dans les appels d'offres que font les différents ministères, voilà, il faut un hébergement en France. Donc, juste un point important, l'utilisation contrastée des NTIC. Alors, on va parler de la longueur de jour. Le NTIC ou TIC, là, c'est la nouvelle technologie d'information et de communication. Donc, ce que je disais tout à l'heure, 30% de la population mondiale a accès à Internet, 70% de la population mondiale a un téléphone portable. Le taux d'équipement en téléphone portable, c'est délire. Hein. En fait, plus d'abonnés téléphone mobile qu'au fixe. Mais forcément, dans les pays en développement, c'est beaucoup plus simple de déployer un réseau mobile que de tirer les câbles de partout. Moi, je vais assez souvent à Madagascar, qui est un des pays les plus pauvres du monde. Tous les Malgaches, vieux, jeunes, ils ont tous deux, parce qu'il y a deux opérateurs. Oui. Ils ont deux téléphones, c'est incroyable. Ils n'ont pas d'électricité, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de route, il n'y a rien, mais il y a des portables. Mais le 30%, entre les 30% de la population, c'est l'Europe, l'Amérique du Nord et quelques pays d'Asie. Je peux prouver. Mais par contre, ces téléphones portables, évidemment, ne sont pas connectés à Internet. Non. Alors, ils n'ont pas forcément. Eux, ils sont encore des installés. Bon, par contre, ils commencent à déployer, mais. C'est sûr pas, ils déploient en 2G, ensuite effectivement, mais pour si tu veux faire de la 3G ou de la 4G, c'est des coûts supplémentaires. Donc après il faut avoir des gens qui sont en capacité de payer. Tu disais que le tiers de la population mondiale est connectée seulement sur Internet. Oui, bah c'est déjà. Alors que 70% a des téléphones portables, mais on utilise des téléphones portables pour faire de la voix et des SMS, on va dire. Bah, je pense que la conversion va aller très vite. Un pays comme l'Algérie, ils sont passés à la 3G dans 2 ans. Ouais. Sur Internet avec un téléphone. Ouais. Bon. C'est toute la difficulté sur. Moi, j'ai acheté des bouquins un peu pour avancer sur le sujet. Bon, un qui s'appelle La société en réseau, c'est intéressant. Ce bouquin-là, il a été écrit en 2000. Autant dire que. Ils sont là. Il y a des concepts qui sont intéressants, mais il manque toute la partie d'iPhone, le machin, le GPS et tout ça. La géolocalisation, tous ces aspects-là, ils n'y sont pas.
Un indicateur important à regarder pour le taux de pénétration des TIC dans les pays, là, c'est le ratio, c'est le coût du coût d'accès téléphonie fixe, téléphonie mobile, accès Internet, ramené au PNB par habitant. Voilà. Donc dans nos pays riches, là, c'est 0 à 3%. Hein, le coût dans les pays pauvres, voilà, c'est d'ordre de 15% à 20%. Voilà. Donc l'accès au numérique n'est pas encore pour demain. Malgré ce que moi, voilà. On verra. Je pense que. Voilà. Et la fracture numérique dont on parle en France, là, entre les zones urbaines et les zones rurales, ou les jeunes et les vieux, tout ça, par rapport à cette fracture numérique qu'il y a là, elle est quand même sans commune mesure. Et surtout, la fracture numérique en France, avec ces déploiements d'opérateurs, de mobiles ou autres, et ces outils qui sont en train de s'estomper. C'est même en Gironde, au fin fond de Capsule, ça marche pas, hein, Internet. Ah oui. Et pourtant que non plus, hein. Sauf se perdre la forêt le soir, là. Comment on faisait avant, par la boussole, quoi. Il faut garder la boussole, quoi. Donc cet investissement numérique, ça peut être un investissement important pour nous aussi, tantôt, qui sont payés dedans. Alors autant je me dis que pour nous là qui avons, alors nous, mais encore moi qui ai connu un peu avant, c'est pas trop gênant, mais nos enfants, là, eux, ils n'ont jamais connu autre chose que ça. Donc si demain tout ça est coupé, comment ils vont faire? Ils seront s'adapter, hein. Voilà. Et surtout l'important, c'est de se dire avec cette connaissance qui est disponible aujourd'hui, la connaissance elle est sur Internet. Donc, pourquoi on irait s'embêter à apprendre des choses, quoi. Voilà. Aujourd'hui, on a juste besoin d'acquérir des compétences. On n'a plus besoin d'acquérir des compétences, de la connaissance, elle est disponible. Ben oui, on l'a cherché. Rappelez-vous de Sarkozy qui a mis en place le socle commun de compétences, c'est savoir lire, écrire, compter. Voilà, c'est tout ce qu'on a besoin. Tout le reste est disponible. Voilà. C'est Payon qui a rajouté assez en plus. Le socle commun des compétences, et de la culture. Alors, est-ce qu'on est d'accord avec la culture Payon? Ça, c'est un autre débat. Voilà, mais. Alors, les impôts. Il faut enchaîner. Hein. Donc, là, on arrive à partie 2. Les impacts sur le. Autour de la manière numérique, dans le lien social. Donc, l'arrivée du numérique fait que. Le lien social est de plus en plus souvent instrumenté. On passe par un outil pour communiquer, par un lien. Les relations face à face perdent leur prépondérance. On parle de sociabilité médiatisée. Et compte tenu aussi de la multitude des équipements qu'on a, on parle aussi de présence connectée. C'est-à-dire que maintenant, avec nos proches, nos intimes, on peut être connecté en permanence avec eux. On a toujours un moyen de manifester sa présence au travers d'un SMS, d'un message, d'un Facebook. Un Facebook ou autre. Voilà. Qu'on multiplie. Voilà. Et là-dessus, le téléphone portable, c'est tout affirmé comme ressource précieuse de cette sociabilité. Les SMS sont idéaux pour entretenir le maillage relationnel de façon ininterrompue. Mais cette connexion continue présuppose la disponibilité des interlocuteurs. Voilà. Et elle entraîne un morcellement d'activité. Voilà, un point important pour moi, c'est ça, c'est de se dire, à force d'avoir nos terminaux, nos SMS, machin, on est incapable de se concentrer plus de 3 minutes sur un sujet, puisqu'on est forcément dérangé par un SMS, un mail ou autre. Et donc il y a ça nuit vraiment à la profondeur de la relation, mais dans la réflexion aujourd'hui, cette intrusion permanente de stimuli divers et variés. Surtout qu'on ne comprend pas forcément pourquoi la personne ne répond pas, oui, voilà, immédiatement. Je pense qu'il y a tout un apprentissage à faire ou à refaire autour de ça, autour de justement de cette exigence. Voilà. Parce qu'on ne peut pas éteindre sa porte. Et ça, je pense qu'on verra avec le temps. On va maîtriser l'usage, hein. On ne va pas non plus se laisser bouffer par ça. On peut y avoir des applications pour bloquer, enfin, ouais, pendant certaines périodes, ou des choses qui déjà. Oui.
Et ce qu'on pourra faire, alors qu'une marche arrière, comme quoi on sait, je ne sais pas. Alors moi, j'avais vu il y a quelques années où, dans une petite boîte, là, il y avait deux sites. Voilà, le patron se dit Internet, c'est pas mieux, et il commence à mettre en place une messagerie. Voilà. Et nous, sa messagerie, donc, là, les types commencent à échanger des messages, et tout s'arrête. Voilà. C'est-à-dire que, par contre, où il pouvait poser des questions à l'autre site, alors, le chef, est-ce qu'il faut que je fasse ça ou voilà, dans les types, plus aucune autonomie dans la prise de décision, et en attente permanente, oui, tu peux, donc là, il a coupé tout ça, et les gens se sont mis à bosser. Il y a prendre des initiatives. Il y a prendre des initiatives. C'est vrai que. Mais je pense que c'est rare. Et, bah, oui, mais. C'était sur une télé, bah, voilà. Mais c'est vrai que pour. Je sais pas si. Moi, j'ai vu arriver effectivement l'Internet et les messages. Ça a complètement modifié le métier. Quoi. Avant, on bossait. Maintenant, on reçoit un tas de mails. Et voilà. Ah, tiens, voilà, j'ai ça à faire. Quoi. On devient réactif alors qu'avant. Un journaliste me disait à Sud-Ouest qu'il ne peut plus gérer ses mails. C'est toutes les questions qui lui arrivent, les informations. Il en a jusqu'à 300, 400 par jour. Ouais. Avant, je réfléchissais quand je faisais un article, etc. Je interviewais quelqu'un, mais là, je ne peux plus. Parce que je ne reprends pas. Je dis, mais comment c'est possible que tu ne m'as pas répondu il y a déjà des jours. Je dis, mais je n'ai pas vu tout ça. Tous les soirs, je vide, je reprends mon disque qui m'intéresse et le reste, je balance. Des gens qui ne réagissent qu'à la troisième relance. C'est-à-dire qu'en gros, c'est vraiment le sujet important, le gars, il va lancer. Oui. Donc, il ne répond jamais au premier mail. Non, peut pas. Tout ça, c'est bon. Et parfois, pour être lu, il vaut mieux mettre pas d'objet. Ouais. Voilà. Donc le numérique, là, ça fait qu'en plus on est organisé de plus en plus en communauté virtuelle là, autour de sujets communs, de passions communes. Donc ça voilà. Mais avec une organisation plus horizontale, d'accord. C'est-à-dire que je ne suis pas sujet de Harley, je vais pouvoir discuter avec sur Internet un tas de passionnés de Harley avant de savoir qu'il y en a un qui est balayeur et que tu es PDG de la boîte du coin. Voilà. Donc ça amène des échanges qui n'auraient pas lieu. Voilà. Mais au final, quand même, les marqueurs sociaux, ils prédominent et finalement, vous allez voir peu de clubs de mélange des gens ne se fera pas physiquement par la suite. Alors, je voudrais juste revenir sur faire un petit focus sur l'Internet chez les jeunes. 95% des 10-17 ans sortent sur Internet presque quotidiennement. Voilà. Et 95% des jeunes européens de 12 à 18 ans possèdent un téléphone portable. Voilà. Et 60% des 12-17 ans sont familiers de messagerie instantanée et de chat. Alors, ces moyens de communication favorisent une autonomie relationnelle vis-à-vis de leur famille et leur permet surtout de faire semblant d'être là tout en n'étant pas là. Voilà. Donc on est content, nos enfants sont à la maison, voilà. Le pater familias, mon petit est là, oui, effectivement il est là, mais ailleurs. Il est ailleurs puisqu'il est en train d'échanger les SMS avec ses copains, ses copines. Voilà, donc ça. Attention à ça, mais bon. Attention ou pas, c'est. Ça passe après. Attention ou pas. Il y a un âge, mais je suis sûr que. On aurait pris 12, 15, 12, 16, c'était encore plus. Et à 17, ça commence à baisser. Je vois mes petits-enfants maintenant, à 18 ans, ça ne les intéresse plus, comme avant. Hein. À un moment donné, ils avaient 300 interlocuteurs permanents. Ouais. C'était des heures par jour qui s'y passaient. Et puis là, tout le couple, c'est en train de tomber. Ouais. J'ai l'impression que ça, ils vont faire tout le monde. C'est qu'ils vont le maîtriser, le couple. Enfin, ils utilisent beaucoup les SMS. Hein. Oui, les SMS, voilà. Mais après, je crois en moyenne, c'est 2400 SMS par mois. 2400, ouais. Hein, sur l'intercondat, non? Vous avez une idée ou pas, vous? Moi, j'en utilise pas beaucoup les SMS. Hein. Ouais. Voilà. C'est fini? Hein? C'est fini ou... Ah non, non, je ne connais pas forcément beaucoup les portables. Ouais. C'est les mails, mais... Moi, mes enfants, c'est ça. Ah oui, c'est... Ces chiffres-là, à peu près. Mais c'est... Et combien de coups? Mais non, mais c'est... Oui, ça va. Enfin, c'est pas un mail, hein. C'est un SMS.
Où es-tu? À quelle heure? Ok. Tu fais quoi? T'es là. Et surtout, ce qui est étonnant, c'est que même pour nous, avant, quand tu prenais rendez-vous avec quelqu'un, tu disais où t'allais, quoi. Le matin, tu dis, on se voit, oui, on se voit. C'est moins organisé. Ouais, on est dans l'ère de l'instantanéité, quoi. On fait tout au dernier moment, comme moi dans la présentation. Ce qu'on peut, voilà, le point important, je dirais, moi, vis-à-vis de nos enfants, c'est de bien leur faire prendre conscience que tout ce qu'ils mettent là, il reste, hein, d'accord. Donc, vous, gamins qui veulent avoir leur profil Facebook, pourquoi pas, mais après, ils commencent à faire des sensibilisations intéressantes dans les écoles, justement, sur ça. J'ai des amis qui avaient des présentations par un gendarme qui leur comptait ça. Il prenait le temps avant de choper tout un tas d'informations sur un gugus d'un gars de la classe. Là, et voilà. Salut, machin. Là. Alors, comment ça va avec ta copine? Voilà. Il n'a jamais vu. Voilà. Donc, ce genre de peut marquer nos jeunes. Voilà. Avec. De toute façon, on a tous entendu parler de ça, là, de types qui se font recaler dans des recrutements parce que ils ont mis sur Facebook toutes les soirées. Et en plus, maintenant Facebook c'est sympa parce que c'est même pas vous qui avez pris la photo, c'est le gars qui a pris la photo et il y a des trucs de reconnaissance de tête et ah machin était avec Tartampion ce soir-là. Sur l'espace public, sur le lien social, donc là, on a l'air médiatisé, voilà, et on se cache derrière le pseudo, c'est plus facile. Sur l'espace public, avant l'internet et tout ça, on va dire que les médias de masse, tels que la radio ou la télévision, c'est des logiques, on va dire, de synchronisation. C'est-à-dire que on diffuse à tout le monde au même moment la même information. Donc on regarde la radio, la télé, on a tous le même message, hein, le journal de l'AFP, le journal de 20h. Le journal de 20h, le communiqué. Voilà. Moi j'ai un peu pour un message, avec même le contenu de la presse en ligne aujourd'hui que vous avez là sur internet, même chose. Vous êtes conscient que 80% du contenu des sites d'information, là, c'est de la reprise de Dépêche AFP, quoi. Donc, tout ce qui est contenu de là, sur le point, le machin, le monde, tout ça, c'est en ligne, c'est de l'AFP. Mais avec l'internet, n'importe qui peut pousser n'importe quelle information, hein, sur un blog, sur un. Voilà, et après, il y a des gens comme ça, ils commencent à faire un blog et ils commencent à être. Et il y a des effets d'annonce, et attends, ce que dit ce gars-là est intéressant, et on se retrouve maintenant avec des types qui sont des blogueurs professionnels. Quoi. Leur métier, c'est juste de dire. De lancer des choses. Lancer des choses, oui, de dire leurs états d'âme, mais ça plus. Donc ça veut dire que sur Internet, on a tout et n'importe quoi. Voilà. Et il faut aussi faire attention et puis surtout, pas facile de décréter le vrai du faux. Là, notamment, vous savez, pareil, vous êtes en train de choisir de vouloir acheter un truc sur Internet, vous dites, tiens, je me fie aux avis de consommateurs, ou le nombre de likes sur Facebook, là, sachant que on a toujours possibilité d'acheter. 10 000 likes, voilà, tout ça est négociable. Voilà, donc attention, il y a quand même pas facile d'arriver à trouver de quoi écouter une information fiable sur Internet, voilà, surtout en se disant, c'est pas parce que c'est le sort en premier dans le moteur de recherche de Google que c'est l'information la plus pertinente. Voilà, c'est celui qui a payé le plus qui est en premier, donc celui qui a su le mieux se faire référencer. Non, je crois qu'il y a 80% des gens qui ne passe pas la deuxième page Google de recherche. Il y a la première et il n'y a pas la deuxième. Donc, c'est pour ça que le référencement économique est important. Ben oui. Ça veut dire aussi que Google est assez pertinent pour donner directement l'info. Parce que quand on va dans Si tu cherches un plombier sur Google, tu regardes que la première page. Oui. Et pourtant, ton info pertinente,
il peut être à la troisième page. Ben non, justement. C'est ça qui est extraordinaire. C'est assez bien fait. L'expérience qu'on en a, c'est qu'il y a rarement la pertinence, effectivement, qui vient très très rapidement. Ou alors, il faut changer les mots-clés. Mais si on a trouvé le bon mot-clé, en général, la pertinence, elle est sur la première. Ça peut être, ça peut être vrai. Sachant que l'algorithme de Google, c'est un des secrets les plus gardés du monde aujourd'hui, de comment Google arrive justement à l'algorithme qui permet de prioriser les. Voilà. Mm-hmm. C'est la force de Google, mais depuis le début, parce que je ne sais pas si vous avez connu des Yahoo, des machins, et tout ça, des AltaVista et tout ça. Google est sorti du lot, mais tout de suite. Quoi. Moi, je me rappelle le jour où il y a un gars qui dit ah tiens, si tu fais la recherche, c'est Google. Ah ouais, effectivement. Mmh. Ils ont vraiment écrasé tout le monde là-dessus. Hein. Et donc toutes ces informations commencées dans l'espace public, là, elles sont. C'est des mines de. C'est des mines d'or pour les. Pour tout ce qui, toutes les marques, toutes les. Voilà, puisque. Tout ce que vous allez mettre sur Facebook, tout ce que vous avez des likes et compagnie, c'est des informations que Facebook revend à ses clients. Donc, récupérer tout le flux d'informations qui est venu voir ma page Facebook, machin, voir les stats par pays, par machin, les avis, tout ça, c'est de la donnée, c'est de la donnée qui se facture à l'arrivée. Donc, il ne faut quand même pas qu'on reste coincé là-dessus. L'Internet, ça a été aussi et c'est toujours un nouveau moyen de mobilisation pour des causes pour lesquelles nos médias traditionnels ne sont pas forcément très motivés. Hein. L'exemple le plus frappant pour moi, c'est la manif pour tous. Quoi. Typiquement, la mobilisation autour de la loi Taubira, là, c'est le. Sans Internet, tu aurais jamais eu ça. Je ne sais pas si vous avez connu la mobilisation 84, moi j'étais pas bien vieux, hein, avec la loi. C'était quoi la loi Savary, là, sur les. L'école privée. Des relais de téléphone ou. Maintenant, on n'avait plus là. Alors, la manif pour tous, dans tous les bouquins de Gouillet, vous n'entendrez pas parler, hein, vous entendrez plus parler du printemps arabe. Et qui aussi s'est fait aussi avec ça. Oui, ouais, effectivement, le printemps arabe, Internet aurait joué un rôle important dans la propagation d'informations. J'en arrive à vous. Point suivant, l'épilogue dans tout ça. Maintenant, on commence à parler d'homo numericus, un homme qui est joignable à tout moment. Capable de gérer toute situation depuis n'importe où, hein, avec nos équipements. Là, on est les rois du pétrole, plus besoin de se déplacer pour aller travailler, pour discuter avec quelqu'un. Voilà. Et même ça va pour le faire les choses. Voilà. Et ça révolutionne complètement la logique de déplacement, la politique de déplacement des populations. Là. Et aujourd'hui, dans les TER, la SNCF a mis des prises électriques partout là, pour que les gens puissent. Avec leur équipement mobile, continuer à bosser dans leur TER. Voilà. Et le TGV, alors c'est super, ça va vite, et le TGV ça va vite, mais ça ne connecte pas. Hein, le problème du TGV aujourd'hui, c'est. Les prises. Hein. Non, c'est la prise mobile, alors la prise du concert, mais c'est le réseau. C'est le réseau. Et donc aujourd'hui, ça va trop vite. Ça va trop vite. Ils peuvent le faire, mais c'est rarement cher. C'est ce que je disais, voilà, le secrétaire d'État au transport. Il y a un tweet là, justement en 2015. Ouais, il faut qu'il s'y mette. Voilà. Sachant qu'équiper une rame. C'est le. Je ne sais plus, 400 et quelques mille euros. Voilà, 350 000 euros pour équiper une rame TGV pour pouvoir permettre à l'accès Wi-Fi, parce que l'accès Wi-Fi dans le train, puisque l'accès Internet se fait par satellite. Voilà. Et il y a les tunnels. Oui, les tunnels. Mais alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, ces déplacements-là qui étaient du temps perdu, aujourd'hui, quand on s'est déplacé, on perdait du temps. Maintenant, on est capable de l'organiser autrement. Et donc cette culture de la vitesse là, pour gagner du temps dans le déplacement, elle est de moins en moins pertinente. Voilà. Et donc, typiquement, pourquoi continuer
TGV, pourquoi continuer, quoi? Pourquoi pas ralentir le train, on consommerait moins, Pourquoi se déplacer? Pourquoi se déplacer? Et la visioconférence, ou la téléconférence. Mais sans aller jusqu'à la visio, ce que tu viens de dire est parfaitement exact. Ouais. Aujourd'hui, pour moi, aller à Paris en 2 heures, ça ne présente aucun intérêt, même si c'est un handicap, parce qu'effectivement, je vais m'installer avec mon ordinateur. Moi, je vois juste que je t'en ai une heure de plus le matin. Donc, ça quand même, le passage de 3 heures à 2 heures pour aller à Paris, si moi. Tu peux y aller dans la journée, tandis que 3 heures à 2 heures. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai peut-être d'abord quand on est à 300 à l'heure, ça se rend compte pour qu'on puisse véritablement bien travailler. Et donc, je ne fais que sur la partie où ça va que je ne travaille pas. Je travaille que sur la partie, je travaille bien que sur la partie où ça va long. Jusqu'à tour. Qu'est-ce que c'était? Parce que là, moi, tu n'as plus de problème de vibration. Celui-là, il ne bouge plus. Si tu veux pouvoir travailler dans le train, sans que ton truc. Parce que moi, je sais que mon travail sur le PC, c'était pas possible. Parce que, avec les mouvements, le disque, il avait des lenteurs. Je sais plus ça. Non, c'est vrai que ça vibre. C'est pire d'essayer d'écrire. D'écrire sur D'écrire dans le train, quand ça. Avec un PC, on peut travailler, mais écrire. Le problème, c'est qu'actuellement, c'est... donc on n'écrit plus. Zéro papier. Alors, c'est ça, oui. Alors là. Tu n'avais pas noté, mais c'est bon. Un truc intéressant. Zéro et papier, je pense que c'est un problème marché faux. En Finlande, un peu, là, ils commencent à avoir des écoles, ou même aux États-Unis, où plus de papier, on n'écrit plus, on a de calé tout de suite. Les seuls qui aujourd'hui sont dans une culture papier, livre et tout ça, c'est qui? C'est tous les enfants des Steve Jobs et autres. Hein. Tous ces gens-là, ils envoient leurs gamins dans une école où il n'y a pas d'écran. C'est hallucinant, pas d'écran. Et même à la maison, voilà, les enfants de Steve Jobs, ils n'ont jamais vu un iPad ni un machin. Ouais. Tous ces gens-là qui nous vendent aujourd'hui le numérique à fond, eux, là, pour leurs enfants, ils ne font pas cette erreur-là. C'est-à-dire que. Il faut commencer par lecteur de livres et voilà, pour ensuite aller vers ces technologies-là et surtout pas commencer par ça. Si vous commencez par aller sur le numérique, le hypertexte et tout ça, ben, voilà, vous avez des enfants qui vont être encore plus éparpillés qu'ils ne le sont déjà. D'accord, parce que le principe même, c'est une navigation. Voilà, alors que on commence d'abord par structurer dans ce sens-là. Hein, après, c'est un autre débat. Mais avant de partir dans ce sens-là. Voilà. Donc, c'était une information qui est sortie l'année dernière, ça, justement, mais je trouve qu'elle n'a pas été assez reprise. Je veux dire, voilà, tous les grands patrons de la Silicon Valley, pour leurs gamins, des bouquins et pas l'écran. Donc, cet homo de Miraculous qui est connecté en permanence, c'est super pratique, c'est bien, et on est productif à plein temps. Voilà. Il y a des sociétés qui bloquent les. Les mails le week-end, etc. Ben oui, il y en a qui commencent à le faire. Mais il y en a d'autres où, au contraire, ce que j'ai vu, c'est. Alors le mail, c'est pas assez réactif, donc on passe à des messages instantanés, là, où tu arrives au blog, la chose que tu fais, tu peut-être ton équivalent Messenger, mais qui est interne à la boîte, là. Voilà. Comme ça, on tout conseil que tu es là ou pas, et on peut te solliciter. Les premières choses que tu fais en rentrant chez toi le soir, tu allumes ton petit PC à la maison, tu te reconnectes parce que comme ton top manager il est aux États-Unis, il faut quand même bien lui montrer que tu es disponible et que tu es capable de répondre à toutes tes questions. Il y a un vrai problème là-dessus aujourd'hui qui est bien effectivement. Je pense que les burn-out et autres avec des gens qui ne déconnectent pas, on en a beaucoup, on en a encore plus. Quoi. Et là, ça va comprendre que ça, c'est la réflexion. Est-ce que l'homme est une ressource un petit peu une autre? On dit que le PC, que le machin. Voilà. Je dis, le jour où on a commencé à parler de direction des ressources humaines, on a fait une belle reculade. Voilà. Une ressource humaine, une ressource PC, une ressource de salle informatique. Voilà. Voilà, donc c'est ce que je disais. Voilà. Il sera d'autant plus important pour nous de nous astreindre et de nous astreindre notre entourage à des coupures numériques. Ou gérer ce truc-là, pour être capable de se retrouver un peu. Et nos jeunes dans tout ça, ils sont des
appelé ça les digital natives. Voilà, ils ont toujours connu Internet. En 2004, j'étais en 2004 sur Paul de Vézel, et je suis avec ma femme sur la télévision l'élection du nouveau pape. Et là, mon fils de 7 ans qui me dit « Papa, qu'est-ce que tu fais à la télé pour l'instant ?»« Bah, va voir sur Internet. » Internet, il sait tout, il sait déjà qui est nouveau pape. « Ah oui, non, 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 voilà. Non, non. » Non, Internet, c'est pas tout. Internet ne prévoit pas l'avenir, mais et voilà, ça m'a vraiment marqué. Quoi. Et on, voilà, pour la vidéo, voilà, à l'époque, c'était un écran catholique, oui. Voilà. Et là, sur pour Benoît VII, pour l'élection du pape suivant, là, contre, on avait téléchargé sur l'iPod familial l'application du Vatican qui permettait d'avoir. Voilà. Le père de Vatican, il est en ligne. Donc nos jeunes, ils sont baignés dans cette culture-là, et pour eux, ce qu'on disait tout à l'heure, tous ces équipements numériques qui peuvent parfois nous effrayer, pour eux, ils n'ont aucun problème. Donc ils sont beaucoup plus performants que nous dans l'exécution de tâches en parallèle, on va dire, c'est-à-dire qu'ils sont câblés pour travailler sur le plateau quand même. Ce que nous, on est moins capable de faire. Donc c'est peut-être un pragmatique de technologie, mais ils ne maîtrisent pas forcément les concepts, les enjeux. Et toujours sur nos jeunes, quelques chiffres importants. C'était quoi ? 44% des parents ont installé un gel de contrôle parental à la maison. Et 2% seulement l'ont installé sur les téléphones portables. Donc en gros, 82% des lycéens et collégiens ont été victimes d'une expérience négative sur Internet. Alors, quand on dit ça, c'est quoi ? C'est dans 36% des cas, c'est un virus ou un spam. 25% des cas, c'est du contenu pornographique. 21% des cas, du contenu violent. 15% des cas d'utilisation de photographies sans l'accord des personnes. Dans 7% des cas, des rendez-vous proposés par l'inconnu. Et le contenu à caractère pédophile, c'est 1% des cas. Donc, là-dessus, le message que je voudrais faire passer, c'est qu'il nous appartient d'être particulièrement vigilants avec nos plus jeunes, hein, qui est des alertés sur ces risques-là, ou à titre perso, on en a parlé tout à l'heure, mais le contrôle parental, on n'a jamais réussi à en trouver un qui tienne la route. Et aujourd'hui, moi, les accès Internet dans la maison, ils sont dans des pièces ouvertes. Des pièces ouvertes avec du monde qui passe. Voilà. Et puis après, et puis les ados là, qui commencent à. Les grands ados, c'est les avertir sur le fait qu'ils forcément ils tomberont sur le contenu à eux de pas se complaire dedans et de fermer aussi ce qu'ils le voient. Je n'ai pas trouvé d'autre solution. J'ai trouvé quand même. Surtout que ça peut venir de n'importe où. Ouais. Alors, moi, j'ai trouvé quand même qu'on a quand même moins, notamment avec les moteurs de recherche, le contenu. On tombait quand même moins dessus qu'avant. Hein. Dans les tout débuts, c'était quand même assez habituel, notamment le gamin qui recherche des images de chat. Hein, voilà, forcément, sur la première page, effectivement, il y a quelques chatons, mais très vite. Les chatons, ils sont. Et sur les portables, moi je n'ai pas trouvé d'autre solution que de fournir des. Parce que forcément il y a des trucs ici. Les collégiens, pas de téléphone, les lycéens, et encore. Des téléphones où ils ne peuvent pas faire d'internet. Quoi. Voilà. Les téléphones, ils peuvent juste téléphoner. Ils peuvent juste téléphoner et faire du SMS. Mmh. Voilà. Sachant qu'il n'y a pas de wifi dessus. Voilà. Que téléphone. Après, effectivement, c'est facile de couper l'option data, d'éviter qu'ils puissent faire de la data sur Internet. Mais si on leur met des téléphones comme ça en disant pas de data sur Internet, ils vont trouver des Wi-Fi, des hotspots Wi-Fi de droite, de gauche, et puis voilà. Le souci, c'est qu'à la fin, peut-être au niveau du lycée, ils ont besoin d'Internet pour travailler. Ah, mais ça, là, aujourd'hui, très clairement, sur le. Moi, c'est un gars. J'en ai deux là qui sont au lycée, maintenant ils ont chacun leur petit PC là, parce qu'en plus c'est en première, ils ont un truc qui s'appelle le TPE à faire, ils ont le temps, tout ça.
c'est pas possible d'être bloqué dans la ressource familiale. Et effectivement, là, tu te retrouves, on se retrouve dans une situation où on est obligé de leur faire confiance, quoi. Mm-hmm. Mais il faut pour ça avoir pu en parler avec eux, quoi. Donc, voilà ce que je voulais dire sur nos enfants. Les deux derniers points, parce que le temps avance. La société numérique, société de liberté ou société de surveillance. Effectivement, dans le début de l'Internet, c'était tout le monde est des beaux, tout le monde est gentil, on est une communauté de chercheurs et on discute entre nous, c'est sympa. Et très vite on se rend compte que quand il y a des discussions libres, forcément elles tournent en vrille. Et il y a quelqu'un qui conceptualise ça, qui est Goldwyn. Vous avez entendu parler du point Goldwyn ? C'est-à-dire que dans toute discussion libre qui se prolonge, plus les discussions durent longtemps, plus la probabilité de trouver une référence, une comparaison à des nazis ou à des Hitler tend vers 1. Donc forcément, et voilà. Donc ça s'appelle le point de vue. On n'a pas confondre avec la réduction à Hitlerium qui est de Wabnoumien qui est de dire de toute façon toi t'es. Voilà. Et voilà. Donc après aujourd'hui. Donc très vite sur tout ce qui est. Il a fallu modérer tous les newsgroups. D'échange où les gens se parlaient librement de façon anonyme, où ça tourne très vite à la vérité, au plus général. Et sur cet espace de liberté, ce que je vous ai bien dit, mais je vous redis, c'est surtout un point de collecte de données important sur nous, aussi bien pour les entreprises que pour les États. Parce que ce que je vous disais là encore déjà, c'est la particularité du numérique, c'est que ça se stocke facilement, ça ne se dégrade pas quand on s'en sert. Et ça peut être interrogé par des outils qui permettent de faire de la corrélation ou de la simulation, de faire des rapprochements entre des données qui à la base sont pas forcément liées. Les exemples classiques qu'on donnait dans les années 90, c'était tout ce qui était. Sur ça, c'était notamment le scoring dans les banques, comment arriver à détecter à qui je vais donner du crédit. Donc pour ça, j'analyse mes incidents de paiement sur les 15 dernières années et voilà, je ressors que si le gars il est marié avec plus de 3 enfants, ici il y a la population à risque. Alors si en plus il est. Alors certainement qu'il y a introduit des critères de nationalité dans ces. Voilà, et ça, ils sont plus retoqués par l'équipe. Voilà, plus loin de faire le scoring en précisant. De la nationalité, on va encore le faire sur nous. Mais ce dont il faut bien être conscient, c'est que quand on navigue sur Internet, on fournit tout un tas d'informations de manière plus ou moins consciente. Donc, consciemment, c'est quand on saisit l'info, dans les blogs, dans les Facebook. Mais dès qu'on navigue sur un site, on laisse des traces. Alors, les traces, elles sont soit sur le PC, là, avec les petits cookies là, qui permettent typiquement de fait une recherche sur Internet pour trouver un cadeau à vos enfants, quand ils ont l'accès, ils savaient ce que vous avez leur donné, puisqu'ils ont vécu avec les bons, avec le machin, la dernière boîte de Lego qui va bien. c'est aussi toutes les traces qu'on fait sur qui sont collectées par les sites sur la navigation. Et là, c'est. Typiquement, vous êtes venu voir ça, vous êtes venu voir la perceuse. Je vous rappelle que la perceuse à côté est pas chère. Donc ces informations-là, elles sont utilisées. Voilà, ou quand vous utilisez une carte de fidélité aussi, c'est pareil, c'est pratique pour l'information. J'étais quelqu'un qui disait, son grand rêve, c'est d'arriver à dématérialiser les factures, les tickets de caisse. Parce que là, à Leroy Merlin, son problème, c'est qu'il n'y a que 14% de ses clients qui ont la carte de fidélité. Donc il n'y a que 14% de ses clients où il est capable de suivre exactement ce qu'ils font. Tous les autres, il ne sait pas trop. Voilà. Demain, on dématérialise le ticket de caisse. Donc, une grande avancée, on plus le ticket de caisse, si on vous l'envoie par mail. Et bien, avec ça, on serait capable de tracer un peu mieux l'activité de nos. L'activité. Alors c'est vrai qu'en France, on a la CNIL qui est là normalement pour éviter que on puisse construire des bases de données, faire des croisements entre ces bases de données de façon disproportionnée, pour dire. Donc
notamment les banques aujourd'hui, les banques elles n'ont pas le droit d'utiliser le numéro INSEE, la clé la plus pertinente pour faire le croisement de données, c'est le numéro INSEE, avec ça on fait un peu n'importe quoi, donc non, je ne veux pas l'utiliser. Et surtout un autre point important, c'est le fait que, en plus de toutes ces données qu'on met sur le site, il y a aussi toutes les données qu'on donne sur notre position maintenant avec nos téléphones. Et donc ça ouvre quand même de nouveaux champs, de nouvelles perspectives intéressantes pour nous faciliter la vie. On arrive, tiens, tu passes à côté de tel restaurant, tu as l'habitude de manger des sushis, celui-là justement fait des sushis extraordinaires, et voilà, tu vas recevoir une promotion, voilà. Donc on n'a pas fini avec ça. Hein. Après, si je peux me permettre, il y a des petits outils assez pratiques, je trouve. Ne serait-ce que pour bloquer la publicité. Par exemple, moi j'ai installé ça, c'est une extension sur Google Chrome qui s'appelle Adblock. Oui. Et c'est un petit outil très simple en fait, qui vous bloque toutes les pubs, oui. Que ce soit pour regarder une vidéo ou quand vous consultez n'importe quelle page internet. Oui, oui. Et en fait, ça vous laisse des blancs partout. Puis vraiment, vous avez un petit compteur qui vous indique le nombre de pubs bloquées. Oui. Et à chaque page, il y en a 20, 30. Non, mais en fait, ça vous facilite beaucoup. Ça s'appelle Adblock. Adblock. Plus il y a le. Parfois c'est. Vous l'installez, vraiment ça vous change votre navigation. Quoi. Et vous avez un peu moins l'impression d'être agressé. Quoi. Ouais. Mais c'est donné de géolocalisation, pour moi, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce que je disais. Hein, même. Quand vous êtes sur l'autoroute, et puis qu'il y a le panneau d'affichage qui est. On va trop vite, le numéro de plaque, voilà. Demain, il s'attend qu'il relie ça avec le fichier de carte grise pour qu'on ait directement. Parce que moi, je ne connais pas votre matriculation. Mais demain, ça peut mettre en règle, monsieur, de quoi répondre, d'aller trop vite, là, ce sera un beau coup. Voilà. Et donc, avec toutes ces données qu'on éparpille et tout ça, on va pouvoir entrer dans, et on commence à le faire, hein, dans l'analyse de, on va dire, de comportement déviant. Aujourd'hui, avec le Patriot Act ou avec les lois antiterroristes, l'idée c'est de dire, hein, tous ces jeunes là, qui partent au djihad, ils ont écrit sur leur page Facebook, voilà, donc on est capable de détecter qu'ils sont en train de se radicaliser, donc on va pouvoir être en mesure de les arrêter avant. Hein, pour arriver à. Vous avez tous vu un film qui s'appelle Minority Report là. On était là, c'est-à-dire qu'on arrête les gens avant qu'ils passent à l'acte. Juste avant. Voilà. Donc ces outils d'analyse du comportement, là, hein, ils vont effectivement, on va pouvoir les conseiller pour ça, mais après on va les utiliser pour cibler d'autres populations, hein, ceux qui pensent du mal de Coca-Cola, par exemple, intéressant, ou ceux qui pensent du mal de telle ou telle politique. Ceux qui continuent à s'opposer à des lois de la République qui ont déjà été votées, alors qu'une fois qu'elle est votée, elle est votée. Enfin, voilà. Et pas plus tard qu'hier, je lisais un article dans Le Point, en ce moment, un truc qui s'appelle le Salon électronique du grand public à Las Vegas. Là. Mmh. Voilà. Et il parle d'une start-up française, et il y en a une qui s'appelle Smart Me Up. C'est une start-up bluffante, parce que ces gens-là, ça fait quoi? Donc ils ont développé une technologie d'analyse de visage en temps réel. Donc à partir d'un flux vidéo, elle détecte votre âge, si vous êtes un homme ou une femme, devine vos émotions grâce à l'étude de votre sourire, ou encore la fatigue à travers l'état de vos iris. Donc cette start-up, elle vous met en avant des perspectives prometteuses comme la détection de somnolence au volant. Et a déjà signé un accord avec Photomaton pour vérifier en temps réel la conformité de votre photo d'identité au standard. Elle pourrait également, c'est un article de la semaine dernière sur ça que je suis au centre. Elle pourrait également s'avérer très utile dans la recherche de personnes disparues. Une technologie très prometteuse donc, qui, couplée avec caméras de vidéosurveillance, pourrait aussi être utile dans l'analyse statistique des foules. Mais elle ne surcoupe pas mettre entre les mains de dictateurs. Donc voilà, c'est.
Effectivement. Donc, et que les Français vont vendre à tel ou tel. Oui. faut que le temps passe. Dernier point, c'était un colosse au pied d'argile. L'internet, c'est bien joli, mais tout le monde a vu, tout le monde voit bien que c'est un écosystème qui peut être fragile ou qui peut être facilement bloqué. Voilà. On l'a vu avec la Corée du Nord. Ce truc-là a beau être super maillé, quelques virus bien placés pour un mois, ou ne serait-ce que. La saturation. La saturation, oui, la saturation, c'est, on envoie plein d'enquêtes et peut-être les serveurs sont capables de répondre. Donc il y a quand même aujourd'hui des. Alors des particuliers peuvent arriver à faire, mais de façon naturelle, mais des États, un État peut bloquer le trafic internet d'un pays. Hein. Voilà. Et donc, par exemple, en France, là, l'administration a quand même pris conscience de ce truc-là, et on est en train de monter, ils sont en train de monter un truc qui s'appelle le RIE, c'est le réseau interne de l'État, qui est un réseau complètement privatif, d'accord ? C'est-à-dire qu'on éclaire tout, du moins les fibres sont vraiment dédiées à. Sont vraiment dédiées, parce que très souvent dans les fibres optiques, on fait du multiplexage, on fait passer plein d'informations de plein de clients différents. Là, on est vraiment sur du réseau dédié qui va relier toutes les préfectures et toutes les administrations et qui sera complètement isolable de l'Internet en cas de cyberattaque. Donc de plus en plus, on doit mettre en place ce genre de solution. Puis surtout, toute cette informatique, tout ce monde virtuel, là, il y a quand même besoin d'un truc qui est d'électricité. Hein. Donc c'est pareil, c'est beaucoup d'électricité. On a beau avoir des data centers dans lesquels on va mettre des groupes électrogènes, des onduleurs, puis des groupes électrogènes, et ainsi de suite. Voilà. C'est le nerf de la guerre pour faire tourner tout ça, c'est le courant. Et puis c'est la production de froid éventuellement. Et aujourd'hui, juste à titre d'information, la consommation électrique liée à toutes ces nouvelles technologies, là, c'est 10% de la. C'est 10% de la pollution mondiale d'électricité qui est cramée dans le. Dans les LTIC. Ma conclusion, ce sera rapide. Voilà. Dans le sens où. Qu'est-ce que j'allais dire, conclusion Je vous ai dit que ce texte est un survol de quelques points et qu'il y a. Il y en a d'autres que je ne peux pas avoir des fautes de compétences ou de recul sur le sujet, hein, notamment tout ce qui est impact du numérique dans la manière de penser. En effet, certains auteurs annoncent que la généralisation de la navigation hypertexte aura des incidences sur notre manière de penser, au même titre que le passage de la culture orale à la culture écrite. Les premières études montrent que ce ne sont pas les mêmes zones du cerveau qui sont sollicitées quand on fait de la navigation hypertexte. Voilà. Et que. Mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, on a. Tout ça, ça a commencé il y a 50 ans, donc il nous manque tout le recul nécessaire pour pouvoir faire des analyses pertinentes sur ce sujet-là. Et donc, dernier point, avant de tout, rappelons-nous de Socrate, qui disait quoi, lui ? Qui dénigrait l'écriture alphabétique en disant « Avec ça, on menace la mémoire et le savoir ». Et le numérique, c'est avant tout un outil, et comme un ensemble d'outils, et comme tous les outils, il n'est jamais intrinsèquement bon ou mauvais. C'est la manière de l'utiliser qui est bonne ou mauvaise. Ça, c'est une vision un peu médicale de dire ça, mais au moins, elle a le mérite de nous remettre au centre du débat, c'est de dire le numérique, c'est les outils. Hein. À nous d'en maîtriser les usages. En évitant de se cacher derrière la technique qui serait omnipotente et qui déciderait tout à notre place. On a quand même la main. Très bien, merci. Bravo. On a 5 minutes de questions. C'est vrai qu'on a pas mal répondu aux questions. Oui.